سلام، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومرحبا بكم دون اون نوفيل فيديو اللي راح تكون كيما شفتوا في لو تيتغ سور لا ريداكسيون دان كونتوندو دو تي بي شيمي. دونك قبل ما نروح لو كونتوندو كاين زوج صوالح امبورطونت نهضر عليهم لي شاك ايتوديون دو لي زامني او لابوراتوار. الحاجه الاولى اللي هي لا بلوز، دونك شاك ايتوديون دو بورتي اون بلوز اون كوتون et n'est pas en polyester avec des manches longues pour éviter tout risque au cours d'une manipulation. Chaque étudiant a un cahier qui s'appelle le cahier du laboratoire. Oui, je vais faire le cahier. Il faut toutes les informations essentielles au cours de la manipulation ou bien au cours du TP. Il faut la date de le TP, le titre de TP, où je vois l'objectif de TP, comme les observations, les chefs en l'expérience, les explications faites par l'enseignant, tous les produits et le matériel utilisé et surtout les résultats trouvés. Alors, il faut le cahier parce que déjà l'étudiant a la pression de la qraya ou tout le travail qui sort du laboratoire il sait pas quoi faire, mais le fait que tu peux faire le TP va rester dans le cahier. Donc on va aller écrire هذا le compte rendu, c'est كل حاجه déjà noté. Donc واش هو le compte rendu? Le compte rendu هو عباره عن تقرير يديرو l'étudiant après chaque TP. هو هذا le compte rendu. Donc toute personne يقرا هذا الكونت روندو تاعك يقدر يفهم كاع واش درت في ليكسبيريونس وكاع واش صبت كوم ريزولتا. دونك واش راح يدير فيه؟ راح يدير فيه كامل 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 واش درت في لو تي بي اون ديتاي. دونك راح نشوفو كيف كيف واش في هذا لو كونت روندو. الوغ الحاجه الاولى اللي نبداو بها بو ريديجي ان كونت روندو هي لا باج دو كارد. دونك واش فيها لا باج دو كارد؟ فيها بروميييرمون هنا فيها لونيفرسيتي اللي تقرا فيها، باسكو شاك اترونجي يقدر يقرا لو كونت روندو تاعك يعرفك واش من لونيفرسيتي تقرا فيها. حاجه دوزيام فو بيان نوتي لا فاكولتي اي لو ديبارتمون. باغ اكزومبل جو في دون هنا ان اكزومبل فاكولتي دي سيونس اي دو لا ناتور اي دو لا في اي سيونس دو لا تير. Et le département, c'est le département de tronc commun des sciences naturelles de la vie. Après, il faut écrire le niveau, par exemple L1, la L2, la L3, et surtout la matière. La matière, l'écritophia, c'est le TP. La plus importante, il y a le titre de TP. Donc, c'est très important de noter le titre de TP parce que il y a déjà sur la page de garde il y a ça. Donc la page de garde il peut savoir je connais l'étudiant ou je mets l'université qu'il lit ou je vois le titre de le TP même il écrit fiha le nom prénom section groupe je connais l'enseignant. Donc la page de garde résume tout ce qui est important pour savoir où je fais هذا le compte rendu. Donc اي حاجه تتعلق هذاك لو تي بي وشكون هو ليتيديون كل حاجه. Deuxièmement, il faut faire un sommaire. Sommaire où je fais doit comporter tous les titres اللي كاينين في الداخل في الكونت روندو. C'est-à-dire اي واحد يقرا لو سومير يعرف اون ديتاي واش كاين داخل واش بلا واش راح يقرا بلو تار. Par exemple, introduction, partie théorique, partie pratique, résultats et discussions et conclusion. Donc, il y a quelqu'un qui dit que je n'ai pas l'introduction, donc je vais lire la partie directement la partie pratique. Et je vais directement la partie pratique. Donc, chaque partie déroulera la numérotation de la page. Donc, qu'est-ce qu'on doit introduire dans l'introduction? L'introduction, il s'agit de définir clairement ce que l'on cherche à réaliser, à montrer ou à déterminer. Donc, l'introduction des requins, nous allons clairement, bien en général, nous allons dire faire la TP, nous allons démontrer, etc. Et surtout l'objectif de TP. Deuxièmement, la partie théorique. Donc, la partie théorique, nous allons parler des notions en général, ou bien des mots-clés, la définition des mots-clés, les requins terminant faire la TP, tarifet. Ou surtout le principe de l'expérience. Alors, je vais vous dire le principe de l'expérience.
دونك في لا بارتي تيوريك هضروا غير على لي بوين اسونسييل، ما تكثروش الهضره بزاف، غير واش غير دي شوز اللي عندهم علاقه مع تي بي تاعكم. في لا بارتي براتيك واش هي لا بارتي، كي نقولوا لا بارتي براتيك سي زاتير راح نشوفوا لي مانيبيولاسيون، بيان راح نهضروا على تو سكو اون افي كوم اكسبيريونس. دونك الحاجه الاولى اللي نهضروا عليها لازم نهضروا على لو ماتيريال اوتيليزي، اي حاجه خدمنا بها il faut les noter. لازم نكتبوا اي حاجه، حتى سباتول نكتبوا سباتول، كل حاجه خدمنا بها نكتبوها. et aussi les produits utilisés في les produits تكتبوا لو نون تاع لو برودوي la formule chimique et surtout les pictogrammes danger تاع هذاك لو برودوي. donc في ليتيكيت تلقاو كامل لي انفورماسيون تاع هذاك لو برودوي. et puis il faut décrire les étapes à effectuer. Il y a le mode opératoire. Donc, le mode opératoire, les intextes en détail. On a pesé, on a mesuré, on a versé, on a rajouté. Donc, tout le monde, d'ailleurs, tu as fait le mode opératoire, intextes en détail. Après, vous devrez faire aussi les schémas de la manipulation. Donc, toutes les étapes effectuées déroulent un schéma. Parce que quand il y a des gens les maïs ils vont mode opératoire, donc ils vont directement le schéma. Le schéma il fait exactement où je fais tout la manipulation. Et aussi il faut noter par exemple il a fait tout différentes parties, donc il faut noter le schéma ou bien le mode opératoire à la partie A, le mode opératoire à le schéma à la partie B. Donc il faut bien organiser la partie pratique. Après, nous avons le résultat expérimental. Donc, les résultats, où sont les résultats toujours, où après la manipulation, donc les résultats les sous forme d'un tableau, ou là sous forme d'un graphe, ou là sous forme d'un petit texte, ou là sous forme d'un schéma. Donc, quand même les résultats les sous اللي حسبتوهم تكتبوهم في ان تابلو. اسميو ديروهم في ان تابلو، علاه؟ باسكو لو تابلو يكون كلير، من التابلو يفهموا واش هما لي غروندور كي رايتي ميجوري او بيان لي فالور كي اونيتي تروفي اوسي. ابري تروحوا للكالكول دوموندي. دونك في الـ في الـ في البوليكوبي اللي مدهولكم لونسينو à la fin toujours تلقاو لي كيستيون، ou bien chaque partie تلقاو تصيبوا لي كيستيون لي مدهم لكم لونسينو. دونك ابري لي ريزولتا تروفي تروحوا ديروا لي كالكول دوموندي، دونك تبعوا لي كيستيون لي مدهم لكم لونسينو وتريبوندي à chaque question. دونك اذا دوموندو منكم حسابات تحسبوهم، اذا دوموندو تخرجوا ريلاسيون تاع حاجه انكونو ou après dire l'application numérique ou la dire comparaison entre les résultats trouvés et surtout à dire l'interprétation. Donc l'interprétation je dirai donc les résultats expérimentaux trouvés ou les calculs les déjà d'artouhom ou je dirai l'interprétation yani تعلقوا على هذوك لي ريزولتا لي ديجا صبتوهم. باغ اكزومبل ديروا ان بيتي ريشيرش في الانترنيت، تكومباريو لي ريزولتا اكسبيريمونتو مع لي ريزولتا تيوريك، تشوفوا روحكم اسكو راكم في لي نورم، اسكو لي ريزولتا تروفي راهم بريسك كيما لي ريزولتا تيوريك. و دي فوا لونسينيون يمدلكم في البوليكوبي les questions à répondre d'après les résultats à trouver. À la fin, on termine le compte rendu par une conclusion. Khulasa. Donc, où fera la conclusion fera la réponse au problème, le problème demandé. Tu fera aussi si les résultats ne viennent pas confirmer les hypothèses. Par exemple, des fois, il y a une erreur dans la manipulation, donc les résultats ne sont pas sortis. Donc, il faut dire est-ce que les résultats les sont déjà faux, est-ce que j'ai une erreur dans la manipulation.
Et à la fin de la conclusion, dites qu'avez-vous appris dans ce tapis? Qu'est-ce que vous avez appris de ce tapis? Quels sont les choses que vous avez vues? Je vous donne un modèle d'une étudiante qui est vraiment chatra bzef, qui aime lire. Ou vraiment, c'est le contenu qui est bzef organisé. Donc, on a la page de garde. Pourtant, c'est tout le stylo, même pas machine l'ordinateur, mais vraiment, c'est tout le bzef. On a la photocopie, l'original, je ne sais pas, mais dans la roue. Donc, je la page de garde, c'est l'université, la faculté, le département, le module, le titre, ou les étudiants, les crédits. Donc, il y a le nom parce qu'il y a les crédits dans le type. Ou les noms des étudiants, les canaux membres. Donc, mais il y a les khedmat, ça veut dire que on a les calculs kif-kif, mais effectivement, il y a les khedmat. Là, à la fin, bon, le groupe et la section, et à la fin, l'année universitaire. Donc, l'année universitaire, les khedmat. Alors, après la page de garde, je vais mettre un plan du travail, le sommaire. Le plan du travail, c'est le titre, les titres, les rangs, derrière le contenu de compte rendu, l'introduction, bus de manipulation, matériel utilisé, protocole, schéma, solution des questions. Après, la partie théorique, donc il y a l'introduction, une petite introduction. On va regarder le but de TP. Le TP, c'était le TP de premier semestre, préparation des solutions. Donc, une petite introduction après le but. On va regarder comme le matériel utilisé. Quand le matériel est utilisé, tout. La chose qui m'a plu beaucoup plus que le type organisé, clair, l'écriture clair, quelque chose de bien, ça Après, direct le protocole. Le protocole est en mode opératoire. Donc, il y a deux parties. Quand on fait l'expérience, il y a deux parties. Donc, chaque partie direct le mode opératoire. Après le schéma, il y a normalement le schéma, c'était en couleur parce que c'est une photocopie. Donc, il y a quand même les couleurs. Il y a le madère tout bleu, la solution d'air sable la couleur taha, tout ça. Ou si d'air sable le schéma, je vais le tout dans un tableau parce qu'il est plus clair. Ou chaque étape, que tu peux là le titre taha ou bien le wesh d'air, par exemple, on a première étape où je dois aller d'une balance, on a pesé, on bat pesette, etc. Donc, chaque schéma, qu'est-ce que tu as tout ou bien Foucault, exactement où je dois aller. Donc, on a le schéma dans la deuxième partie. Là, on a la partie d'être la réponse des bien les calculs demandés. D'être comme les calculs qui ont été demandés sur le protocole ou bien sur la polycopie. Organisé comme tu fais que le donc les résultats d'être tombent dans un cadre. Je te bien il y a la valeur trouvée, les unités. Donc, cool. Après, elle a répondu à la question demandée sur la polycopie. Et voilà, donc rien cette manière la conclusion. Donc la conclusion est obligatoire. Donc vous devrez suivre toutes les étapes pour réaliser le compte rendu. Donc, mais si très demandé dans ce compte rendu, à la fin du tadro à l'annonce et tout. Donc il faut réaliser le contenu d'après les étapes les dertelkom. Donc j'espère que vous avez bien compris comment rédiger un compte rendu. Donc le modèle ne pas ma chimie donc même fait physique un autre module
Donc, parce que le compte-rendu en général fait quand même adore les étapes. Donc, à la fin, je vous dis merci pour votre attention et bon courage. Et si vous avez des questions, écrivez en commentaire. À très bientôt.